Voilà. Salut, salut. Deuxième vidéo, il est 21 minutes. Ma deuxième vidéo de la journée. Soyez salués, commencez à arriver. Si vous êtes prêts, partagez. Partagez cette vidéo. Envoyez-la partout. Dans tous les groupes. Voilà. Donc, en attendant que vous vous connectez, commencez à mettre des cœurs. Mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des pouces. Mettez des cœurs, mettez des pouces. Urgent, grande victoire des FAMA. Grande victoire des FAMA. Voilà. Aujourd'hui, le Mali joue match amical. Je ne sais pas à quelle heure ça commence au juste. Le match amical commence à quelle heure, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, comme moi, je vous ai dit que je m'en fous de la CAN. Je m'en fous. Je suis un très grand admirateur de football, un grand passionné de football, mais la CAN, dans ces conditions-là, ne m'intéresse pas. Donc, désolé si je ne parle pas de football, mais arriver, il faut partager, il faut pomper les cœurs, mettez, appuyer les cœurs, appuyer les cœurs, appuyer les pouces, parce qu'il y a une grande victoire des FAMA. Vous voyez, Assimi Goïta en train de faire un travail. Il est en train de faire un travail. Bombardement. Ils ont laminé les terreaux. Ils les ont laminés. Ah, Assimi Goïta est fâché. Hein. Les femmes sont fâchées parce que leurs collègues ont été tués. Et des civils ont été tués. Ce bateau de Tombouctou qui a été attaqué, où il y a eu plus de 63 morts, ça n'a pas plu aux femmes. Les femmes sont debout. Fleur d'olive d'Enange, Sion, big up à toi la mère. J'espère que tu vas bien. Écrivez bravo les FAMA, écrivez ça en commentaire. Écrivez ça, ça vient de tomber, il y a une heure de cela qu'ils ont pris. Ils ont pris la totalité de cette zone-là. Voilà. Ils ont pris Bourem. Je veux saluer ici Maria Filomena Silva, merci pour les étoiles. Voilà. Il faut saluer les FAMA. Il faut saluer. Continuez, les amis. Dites bravo, les FAMA. Bravo aux FAMA. Voici des soldats guéris qui font du tic au tac. Tu nous as agressés dans la lâcheté. Tu es venu tuer des civils pour te faire comprendre, pour te faire entendre, pour montrer que Assimi Goïta ne contrôle pas tout le Mali. Tu as fait tuer des civils. Voilà le retour. Le retour triomphal des guerriers FAMA. Ils sont rentrés dans Bourem. Ils ont pilonné les rebelles, pilonné les terreaux. Ils les ont chicotés. Bravo les FAMA. Écrivez ça sur le live. Écrivez. Ils les ont pilonnés jusqu'au dernier. Et quand ils étaient dans leur fuite là, les avions maintenant étaient derrière eux. Ils ont fini de les pilonner avec les drones de combat. Ils ont pris les hélicos. Oh, les hélicos de combat là. C'est quelques rares fois qu'ils utilisaient ça. Cette fois-ci là, Assimi Goïta ne veut plus faire des cadeaux. Il ne veut plus faire dans l'à peu près. C'est des frappes ciblées. Ils les ont poursuivis avec hélico, comme je disais là. Quand on les bombarde avec les drones, après ils prennent leur moto, ils commencent à fuir. On n'a rien. Vous savez, ils avaient réservé des armes. Ils ont reçu des armes. Ce sont ces armes-là qu'ils ont utilisées contre les FAMA, contre les civils, pardon. Ils avaient reçu des armes de la MINUSMA. On a demandé à la MINUSMA de dégager du Mali. Quand la MINUSMA partait, elle a déposé ses bagages, toutes ses armes, elle a déposé ça chez les terreaux. Vous comprenez? C'est pour cela, dans ces jours-là, ils sont armés. On ne sait pas où ils sortent avec ça. C'est pour cela, dans ces jours-là, ils sont lourdement armés. Vous comprenez? Des terroristes qui dorment dans des grottes, sous des arbres, c'est eux-là qui ont tout ce matériel-là. Ils ont tout ce matériel. Assimi Goïta les a chicotés. Les amis, continuez à mettre bravo. Bravo, là, il ne faut pas s'arrêter. Mettez des cœurs même pour les FAMA. Mettez les cœurs pour les FAMA. Pendant que l'équipe nationale du Mali va jouer match amical avec l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, les FAMA se sont donné une victoire sur le terrain en arrachant Bourem dans la zone de Gao. Ils ont arraché Bourem dans la zone de Gao avec des frappes
des frappes ciblées, chicoter l'ennemi jusqu'à... Il ne faut pas les voir débandades complètes. Ils sont en train de fuir de partout. Ils ne savent même pas dans quel coin ils vont rentrer. Et comme d'habitude, quand on finit de les bombarder avec les drones, ils ont le temps de fuir. Et puis on les suit avec les drones là encore pour aller les toucher là où ils s'en vont se cacher. Mais cette fois-ci là, au moment où ils partaient fuir, ils prenaient leur moto pour fuir là, les hélicos de combat sont sortis derrière eux. Les arroser, les nettoyer. Tu vois les bras partis là-bas, les têtes parties là-bas. Oh. Non, les femmes, je suis fier de vous parce que les gens, ils pensent que c'est du jeu. Et ils pensent qu'on est dans l'amusement. Il n'y a plus de cadeaux à faire, plus de cadeaux, plus de plaisanteries. Plus de plaisanteries. Les amis, il faut partager. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous partagez? Oui, c'est ce qui s'est passé. Ça vous fait rire. Ça vous fait rire. On doit se moquer de leur corps. C'est-à-dire, voici des gens qui prennent de l'argent pour venir, c'est-à-dire on leur donne de l'argent pour finir avec nos parents. Ils finissent, c'est-à-dire ils viennent, on leur donne de l'argent, on leur donne des armes, et eux, ils viennent tuer des familles, ils viennent endeuiller un peuple. Vous comprenez? Donc, moi je m'en fous, hein, s'ils veulent n'ont qu'à bloquer mon live, s'ils veulent n'ont qu'à bloquer, mais les mots là, je vais les dire comme on dit, je vais pas m'amuser dessus. Je ne vais pas chercher parce que ça fait que, à cause du fait qu'eux, ils bloquent les vidéos des gens, ils disent qu'il y a des mots qu'on ne doit pas dire. Mais tiens, moi je vais dire, on les a chicotés. On les a chicotés. Quand ils ont fui, ils ont commencé à être bombardés à Bourem. Ils sont sortis de Bourem, ils fuyaient pour aller, comme on appelle, dans leur QG, non? Hélico de combat est sorti derrière eux. Hélico de combat est sorti derrière eux. Commencez à les chicoter encore. Cette fois-ci, là, hélico de combat, là, vous voyez, c'est les 12-7. C'est les 12-7. Otomanzi, sois salué. Voilà, j'ai lu ton message, sois salué. Voilà. C'est les 12-7 qu'ils attrapent sur hélico de combat, là. Et puis, ils les chicotent. Quand ils les chicotent, 12-7, là, on appelle ça la découpeuse. 12-7, c'est une arme redoutable dans la guerre. 12-7, c'est une arme redoutable dans la guerre. C'est cette arme-là qu'on a utilisée en Côte d'Ivoire. Et puis les rebelles ont dit que ce sont les Angolais qui sont venus parce que la violence des combats n'était pas du jeu. 12-7, là, quand ça, on appelle ça la découpeuse. Quand tu tires ça dans la forêt, là, les arbres là, tombent comme ça. Tu as comme l'impression que c'est une machine qui est en train de découper les arbres. Là. Donc imaginez sur l'homme. Imaginez ça sur l'homme. Ce sont les armes redoutables. Les 12-7, les balles là sont pointues. C'est gaya-gaya comme ça dépasse mon doigt. C'est ça qu'ils ont pris pour les pourchasser. Donc quand ça rentre sur les rebelles, là, c'est les bras qui vont là-bas, c'est les têtes qui vont là-bas, c'est les pieds qui vont là-bas. Ils sont sur moto, non? Une partie, c'est-à-dire à partir du ventre, là, ça s'en va quelque part là-bas et puis le pied continue à la moto. Là. C'est ce qu'on les a montré. Merci. La mer, fleur d'olive, des nanges. Sois salué. Merci encore. Merci pour les étoiles. C'est pieds seulement qui reste et puis ça continue en moto là. Sinon, lui-même là, il est déjà au ciel. Il est parti. C'est-à-dire son âme est partie. Son âme a voyagé. Ça est déjà au ciel là-bas. Otomanzi, merci pour les étoiles. Ah, voilà. Otomanzi a donné étoile pour se faire pardonner. Non, je rigole. Merci. Je suis content, je ne sais même pas. On dirait, moi, mon match est gagné. Voilà, moi, mon match est gagné. J'ai fini de gagner mon match. Même si c'est amical, mon match est gagné. Tiens, mon match est gagné. Et toutes les zones, même si c'est campement que les femmes ont récupéré là, même si c'est campement qu'ils ont récupéré, c'est campement pour le Mali. C'est campement pour le Mali. Même si c'est campement, même si c'est deux, trois, c'est-à-dire c'est deux maisons qui sont là ou deux cases qui sont là, mais c'est pour le Mali. La victoire là, c'est pour le Mali et pour les panafricanistes que nous sommes. Oui, je suis fier des FAMA. Ils m'ont donné ma joie. Je vais même pas les maquiller. Je sais pas si c'est déjà passé ou bien ça a commencé. Je sais même pas à quelle heure ça commence. Je regarde pas ça. Voilà, j'ai pas le temps de regarder le match. Voici mon match qui vient de passer là. Les femmes viennent de chicoter, frapponner. Il faut partager. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous partagez le direct? Vous êtes 1760. Partagez. Chacun partage 10-10. Vous allez voir, on va dépasser. Si chacun partage 10-10, on va dépasser.
Non, Assimi Goïta, je te tire mon chapeau. Encore une fois, big up à toi. Merci de donner la force. Parce que il y a eu, c'est-à-dire ce qui s'est passé là, ça a réveillé l'esprit guerrier. Ça a réveillé le cœur de combat des femmes. Ils se sont réveillés, ils ont dit non, 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 on ne peut pas faire ça à notre peuple. Et puis on va rester là. On a tous les équipements. On a fait la gloire, la fierté de l'armée malienne. On a dit à tout le monde, on a eu des véhicules en vent blindé, on a eu des véhicules blindés, on a eu des mortiers, on a eu des chars, on a eu des avions de guerre, on a eu des drones. Le Mali a des radars. Ils ont même des lance-roquettes. Ils ont des armes qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale autour du Mali. Vous comprenez? Donc quand on a ces armes-là, on ne peut pas venir nous toucher notre orgueil jusqu'à ce point-là. Ils sont venus toucher l'orgueil du Mali en tuant des pauvres Maliens qui étaient dans le bateau Tombouctou. Ça a poussé les gens. Ça a poussé. Ça a poussé les FAMA à dire non, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'on tue des populations civiles, on tue nos collègues militaires, et puis nous, on va les regarder. Et puis, ils viennent, ils occupent Bourem, ils occupent tout. C'est-à-dire, eux, ils prennent les zones comme ça, vite fait. Ils prennent les zones sans rien. Sans qu'il y ait quelqu'un qui va leur dire quelque chose, quoi. Là, c'est-à-dire, on n'a plus, c'est sans sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Les décomptes, on ne vous dit pas, hein. On ne vous dit pas combien il y a eu. Pour le moment-là, on ne vous dit pas combien il y a eu de rebelles, de terreaux neutralisés. On ne vous dit pas, on ne peut pas vous dire, les amis. On ne peut pas vous dire, parce qu'ils sont nombreux cette fois-ci-là, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils ont pris la ville. Comme ils ont fini de tuer les civils, ils ont tué quelques militaires, ils pensaient qu'ils ont pris la ville, donc ils étaient tranquilles. Youssouf Biné Dramé, et Darmé, merci. Youssouf, merci pour les étoiles. Eux, ils pensaient qu'ils avaient pris, donc c'est fini, ils vont respirer. Non, population de Bourem, commencez à saluer les FAMA, dites merci aux FAMA, parce que les FAMA ont joué un rôle très capital, et bientôt vous allez reprendre, vous allez respirer dans votre ville. Et puis, ils ne pourront pas reprendre, ils n'ont pas les couilles pour reprendre encore Bourem, c'est fini. Ils ne pourront pas. Direction Kidal, j'ai dit Kidal, là. À un moment, on disait qu'on était en train de prendre Kidal. Mais les mêmes là étaient déjà là en train de crier au scandale. Oh, ils vont tuer des gens. Il y a trop de civils à Kidal. Aujourd'hui, c'est non, il faut que les gens discutent. On ne peut pas rentrer à Kidal. J'ai dit, les choses sont en train de se préciser. Il faut qu'on se dise la vérité. Les choses sont en train de se préciser. Diarra Ismaëlla, merci pour les étoiles. Les choses sont en train de se préciser actuellement. Le Mali. On doit saluer les FAMA, on doit encourager les FAMA, on doit dire merci aux FAMA, parce que chaque victoire est à saluer. Chaque victoire est à saluer. Il faut dire merci aux FAMA, parce qu'ils sacrifient leur vie, ils se donnent à fond pour pouvoir donner la paix, pour donner la stabilité, pour donner la quiétude aux populations maliennes. Donc les gens sont là, ils sont en train de se jouer les Django. Ils sont en train de se jouer les guerriers. Abo Boro, Abo Fara. Voilà. Comme je ne veux pas dire ça en français, on dit si on dit ça, ils vont bloquer nos directs. Donc, il a dit ça en Goula. Ça, là, ils vont comprendre. Les FAMA, Abo Fara, Abo Bé Fara. Abo Kuntige, Obé, Abo Bé Fara. Ako Notoyen, Abo Bé Fara. Voilà. Abo Ba Bé Fara, Abo Batra Den Fara. Abo Fafrotige, Obé. Akonobla. Voilà. On ne peut pas dire ça en français. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc, je suis trop content ce soir-là. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça se passer. Non. Et je vais continuer à vous dire encore. Vous voyez, le jeune Kim Jong-un, le petit coréen, nord-coréen, là. Le petit nord-coréen, là, il dit, si vous vous êtes amusé, parce que tout ce que les gens disent, c'est le Niger. On dit Niger, on dit Niger, on dit Niger. Mais en réalité, là, c'est le Mali, c'est le Burkina et c'est le Niger. La sécurisation de ces trois pays tient à cœur à Vlado,
Ça lui tient à cœur. Et comme il a signé des accords avec le petit, lui là, il a dit, le petit là, même chose a peur de lui. Comment il s'appelle? Bush. Et il a dit Bush. Pourquoi il m'a dit Bush? L'autre là, l'ancien américain là, comment il s'appelle même? Celui qui était là. Comment il s'appelle comment il s'appelle? Celui qu'ils ont enlevé pour mettre Joe Biden. Comment il s'appelle? Trump. Donald Trump. Même Donald Trump a peur de lui. Wallahi. Donald Trump a peur du petit là. Il a peur du petit. C'est-à-dire, c'est un fou dans la tête. Le petit là, s'il dit, il dit souvent, souvent là, le vieux Joe Biden, il lui envoie rappel des mémoires. Vous savez comment il lui envoie rappel des mémoires? Il tire fusée. Il tire. Et quand ça s'en va, ça tourne, tourne, tourne jusqu'à. Et puis il appelle là-bas. On dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais je suis en train d'essayer. Quand vous lancez pour vous là, vous dites, vous êtes en train d'essayer. Donc moi aussi, j'essaye pour moi. À combien de portées ça peut arriver? Et quand il essaye, c'est-à-dire la distance que ça peut faire pour atteindre Washington, là, c'est même distance qu'il prend dans le sens contraire. Et puis pour dire à Washington que si j'essaye avec vous, là, ça va arriver jusqu'à chez vous là-bas. Ça va arriver jusqu'à la Maison Blanche. Vous comprenez? Merci, merci, c'est Donald Trump, oui. Merci à vous. Donc, il essaye. Et le petit là, il est fou dans sa tête. C'est-à-dire, Poutine même, il regarde le petit là. Ça lui fait rire, quoi. Il dit, mais ce petit là, il est fou dans la tête. C'est-à-dire, lui, si ça pète dans sa tête là. Lui, il est prêt. Hein, et il a dit, j'ai arme nucléaire. Il dit, j'ai arme nucléaire. C'est pas pour m'en servir. C'est pas pour m'en servir. Mais si vous me provoquez, si vous faites erreur pour toucher le Niger, ah, vous allez me sentir. Parce qu'il y a déjà signé à quoi, hein, Poutine? Donc, du moment où il a signé à quoi, Poutine, regardez comment, vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que, comment il s'appelle, Prigola. Moi, je crois pas à sa mort. Je vous ai dit, je crois pas à la mort de Prigo. Mais avant de parler même de la mort de Prigo, je vous ai dit que, en réalité, quand on disait que Prigo voulait attaquer, comment on appelle, il voulait faire coup d'État. Que Prigo voulait faire coup d'État sur, comment il s'appelle là, sur Vlado. Vous vous souvenez, hein, j'avais fait une vidéo. J'ai dit, Prigo peut pas s'amuser. Prigo peut pas s'amuser à dire que lui va attaquer Vlado. Les amis, partagez, continuez de monter le mercure. Atteignez les 3000. Vous êtes 2780. Atteignez les 3000. J'ai dit, Prigo peut pas s'amuser à dire que lui va attaquer Vlado. Mais quelqu'un a créé Prigo. C'est Vlado qui a créé Prigo. C'est lui qui l'a mis là. C'est lui qui a créé Wagner. Mais comme les gens avaient commencé à chanter tous les jours, Wagner ceci, Wagner cela, Wagner ici, Wagner fait ceci, Prigo fait cela. Donc pour faire calmer un peu leurs choses et puis jouer avec eux, c'est-à-dire ils allaient se moquer. C'est-à-dire Vladimir Poutine rigolait dans son palais. Il dit voilà, regardez. On est en train de faire l'actualité sur BFM en France là-bas. Toute leur journée, ils ont appelé tous ceux qu'ils appellent les experts. On va se moquer d'eux un peu. Prigo, faut dire que tu as fait accident d'avion. Les amis, est-ce que vous partagez? Ils ont fait un scénario. Ils ont mis en place un scénario pour faire croire que Prigojine a fait crash d'avion. Et il est mort. Et on dit, la liste des passagers, il y avait 10 personnes. Mais avion là, quand c'est tombé, on trouve 8 personnes. Deux personnes là, ils sont entrés où? Et on dit, sur la liste, il y avait le nom de Prigojine. Il y avait Prigo. Les amis, est-ce que vous partagez? Est-ce que vous partagez? Continuez. Continuez de partager, continuez de mettre des cœurs. Continuez. Dans la liste, on dit non, il y avait le nom de Prigo dedans, dans le premier avion là, parce qu'il y a deux avions. Vous-même, je ne sais pas si vous êtes con ou bien vous êtes idiot, mais on vous dit qu'il y a deux avions. Et puis c'est un avion qui est tombé où il y avait le nom de, comment il s'appelle, Prigo. Mais Prigo, il n'était pas dedans. Prigo n'était pas dans cet avion-là. Je vous ai dit ça, vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, on dit quoi? Que Prigo, on l'a découvert, il est là, il n'est pas mort.
j'avais eu raison. Brigo n'est pas mort. Donc, en Afrique, là, ce qui va se passer, les amis, c'est que, comment on appelle, Vlado, avec Kim Jong-un, ce qu'ils vont montrer aux gens qui se disent qu'eux, ils sont démocrates, mais leur démocratie, là, ils font ça avec des terreaux, là. Ils seront chicotés. Donc, ce que vous avez vu là, ce n'est qu'un début. Ce n'est que juste un petit. Et puis, ils ont fait passer un message. Ils sont en train de faire passer des messages dans les WhatsApp des gens. Dans les messages, ils disent que, les amis, il faut monter. J'ai dit de monter. On est à 2740. Il faut monter à 3000. Allez-y, partagez. C'est quand vous partagez là que ça monte. Donc, il faut partager. Il faut partager. C'est, vous savez, c'est quand ils vont décider. Oui, Boribana à Burem, comme tu dis, Loïc Guelou. Boribana à Burem, à Burem, pardon. Burem là, Boribana. Voilà, Boribana. Boribana. Mais ça, ce n'est que juste un petit bout. Ce n'est qu'un petit bout. Regardez, les moutons d'Ado sont là. Ils sont en train d'écrire que je suis bête. J'ai dit qu'il y a victoire au Mali. J'ai dit que Assimi Goïta, avec les femmes, viennent de frapper des positions rebelles, des positions de terreau. Et toi, tu me traites de bête. Comment quelqu'un est en train de savourer sa victoire? Il est en train d'être content pour ce qui se passe. Et toi, tu l'insultes. Est-ce que m'insulter, là, c'est ça qui va faire que les femmes vont perdre Burem? Burem est dans la main des femmes, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais si vous ne voulez pas atteindre les 3000, atteignez, j'ai dit, il faut monter, voilà. Partagez, pendant que je parle là, partagez. On est en train de tourner en 2800, et puis ça revient. Montez le mercure, les amis. Montez, on va atteindre les 3000. Oui, je vais le dire, piant, et puis on est content. On est content que les femmes puissent chicoter les terreaux. Et ça, ce n'est qu'un bout. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un document qui est en train, il y a un message WhatsApp qui est en train de passer. Je sais qu'il y a certains qui ont reçu ce message-là. Dans le message, ils sont en train de mentir que Assimi Goïta a envoyé Abdoulaye Maïga aller voir comment il s'appelle, le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui dire de retirer ses hommes au Niger. Qui a reçu ce message-là? Ils sont en train de faire passer ça dans les WhatsApp des gens. Ils sont en train de faire passer ce message dans les WhatsApp des gens pour dire que Assimi Goïta a envoyé le colonel Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est Mamadi Doumbouya? Non, Mamadi Doumbouya, c'est le général. Non, c'est Abdoulaye Maïga. Voilà, Abdoulaye Maïga. Le colonel Abdoulaye Maïga. Irène Flore Alima, merci pour les étoiles. C'est le colonel Abdoulaye Maïga, qu'ils envoyaient à chose, comme on appelle, au Burkina, pour aller dire au capitaine Ibrahim Traoré de retirer ses hommes au Niger. Voici le message de mensonge qu'ils sont en train de faire promener dans les WhatsApp. Si vous avez reçu ça, ce sont des mensonges. Assimi Goïta n'a jamais envoyé Abdoulaye Maïga pour aller dire de retirer. Pour aller dire à Ibrahim Traoré de retirer ses hommes au Niger. C'est faux. C'est parce qu'ils ont peur. Ils commencent à. C'est-à-dire, c'est comme on appelle. C'est la guerre de communication. Ils ont commencé la guerre de communication dans le mensonge. Ils ont commencé la guerre de communication dans le mensonge, Anaké. Sois salué. Ils ont commencé la guerre de communication dans le mensonge. Jamais Assimi Goïta va envoyer Abdoulaye Maïga ou qui que ce soit pour aller dire à Ibrahim Traoré de retirer ses hommes et que comme la Russie nous avait promis de nous aider et puis maintenant ils ont dit qu'ils vont plus nous aider, qu'ils vont plus nous aider. Donc on a demandé à ce que tu retires tes hommes au Niger. C'est faux. Fagnale. Ce sont des menteurs. Voilà, ce sont des menteurs. Donc, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré font une force et ils viennent d'avoir un autre pion essentiel, le Nord-Coréen Kim Jong-un. Il est prêt à venir
Et lui, il s'amuse pas, comme je vous dis. Il s'amuse pas. Poutine même, il va un peu doucement. Mais Kim Jong-un, là, lui, provoque les États-Unis il y a longtemps. Donc, c'est l'occasion pour lui de venir encore, bien provoquer encore. Vous comprenez? Donc, pourquoi c'est le Nord-Coréen que Poutine a pris? Il a accepté de travailler avec lui. Parce que le Nord-Coréen, là, comme je vous ai dit, il n'a pas peur des Américains. C'est pas parce que Poutine a peur. Hein, mais le Nord-Coréen, lui, il est dans la provocation. Poutine, lui, provoque pas. Il fait un peu de diplomatie, il essaie de voir si vous faites ceci, vous faites cela, voilà. Mais Kim Jong-un, lui, il provoque même. Il veut que petit Bangba Naka s'élève entre lui et puis les États-Unis. Lui, il est prêt à provoquer. C'est Nyekigbo, big up à toi. Bonne arrivée. Il faut partager. Vous comprenez? Lui, il est prêt à chicoter, à provoquer. Voilà. Et puis, où ça va aller là? Ça va aller là-bas. Donc, aujourd'hui, il est dedans. Vous allez voir. Les terreaux là, ils seront massacrés, ils seront massacrés. Ils vont les découper. Ils vont les... On ne va pas aller plus loin que ça. Il faut partager. Je ne vais pas passer toute la soirée dessus. On a 26 minutes. Voilà, je voulais faire 30 minutes pour vous dire que, effectivement, ce combat là, il nous reste 4 minutes. Et 3 minutes. Ouais, il nous reste 4 minutes pour finir. Entre 3 minutes et 4 minutes. Donc, cher ami, il faut féliciter les femmes. Il faut dire merci aux femmes. Il faut dire bravo aux femmes parce que ils ont chicoté les terroristes là. Ils les ont chicotés. On va prendre tout leur matériel, tout ce qu'on a pu trouver là-bas. On va tout ramasser et ça va appartenir aux femmes désormais. Et les prisonniers vont dire qui les a envoyés, où ils sont sortis, qui les a armés, qui leur a donné beaucoup d'armes comme ça là. Ils vont dire. Tout ça, ça va sortir. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas assez de prisonniers parce qu'il n'y a pas trop de prisons au Mali. Actuellement, là, il n'y a pas de prison à Bamako pour amener terreau là-bas. Terreau, on t'attrape sur terrain, on te laisse sur terrain. Voilà, on ne va pas avec toi quelque part. Dès qu'on t'attrape sur le terrain, là, c'est là tu restes. Voilà, tu ne peux pas aller quelque part. Donc, c'est une très bonne victoire. Même si c'est une case qui a été récupérée, c'est une victoire à saluer. J'ai dit un big up au Fama. J'ai dit un big up au Mali. Bravo à Assimi Goïta. Bravo au Fama. Bravo au chef d'état-major des armées maliennes. Bravo au ministre de la Défense malienne, Sadio Camara. Merci pour votre victoire. Merci pour cette victoire-là. Voilà, il y a eu beaucoup de victoires, mais cette victoire qui calme un peu le cœur des Maliens, parce que dans ces jours-là, ils ont été frappés par des malhonnêtes, par des chiens, par des moutons qui sont permis d'aller comme des lâches, des gros lâches, ils sont allés tuer des civils. Vous êtes venus, vous avez fait, je vous remercie, bravo, merci d'avoir fait ça, et il faut partager cette vidéo partout. Ndrea Kramatu, tu es en retard, mais sois salué depuis ta position. Il faut envoyer cette vidéo partout. Dis aux Fama que à chaque fois qu'ils vont avancer dans ce combat-là, nous serons là pour les soutenir. Même si, quel que soit le match amical, quel que soit comment ça va se terminer, nous on a déjà notre victoire. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On a notre victoire parce que Bourem a été récupéré. Bourem a été récupéré. Bourem a été récupéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette victoire? Si vous êtes d'accord, si vous savez que notre cœur est déjà apaisé avec cette victoire, il faut mettre des cœurs. Voilà, il faut partager. Est-ce que vous êtes d'accord? Écrivez. Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Écrivez en commentaire que si vous êtes d'accord, si vous êtes fier des femmes, si ça vous a donné la force ce soir, quel que soit ce qui va se passer, cette joie-là, il faut qu'elle soit saluée. Janine Bowie, il faut qu'elle soit saluée. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Il faut qu'elle soit saluée. Donc, merci à vous. Merci. Bravo aux Fama. Lynn Balo, c'est ça. Bravo aux Fama. Il faut dire bravo aux Fama. Continuez de féliciter les Fama. Dites-leur merci pour leur promptitude dans ce combat-là. Voilà. Fiers. Nous sommes tous fiers. Nous sommes fiers d'être Maliens. Voilà. Nous sommes Maliens. Nous sommes fiers d'être Maliens. Maliens, Ivoirois, on est ensemble. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, que Dieu nous assiste, que Dieu fasse qu'on puisse gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de terrain, qu'on puisse récupérer des terres, afin que nous soyons libres définitivement. Nous avons
Nous avons atteint les 2800, 2900. Nous sommes revenus, nous finissons avec 2100. C'est ça, hein? 2129. Donc, ciao. C'était le général Modibo Goïta, Djidji, Dogboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, Tchani, général Tchani.